il reconnaît pas ta manette. Ça marche pas? Non, mais pas pour toi. Pour toi, ça marchait? Moi, ça marchait, ouais. C'est ça. Là, le jeu est gelé, genre? Ou c'est toi qui contrôle? Hey, on a quelqu'un qui s'appelle tout simplement A, qui vient de donner 50$ puis qui dit moins cher que Lightning. Ça marche pas si tu payes sur un piton ici. Puis on a Manix qui a donné 5$ qui dit ouais, c'est pour les runners de Metal Slug. C'est ça, mais les manettes sont quand même. Let's go pour le PB, les boys. Super Mega Dave, s'il vous plaît. Ouais. Watch ton partner parce que Sensato Kuro Danger, j'espère qu'elle fait partie des 5% bonnes pour la gang de Cuphead. Tu lui demandes pour la manette? Ben, c'est que je suis player, dans le fond, je pense. Où ça va voir? Ouais, c'est ça. Ouais. Inverse les USB. C'est pas bien, bien long, on a les petits problèmes de manette, fait qu'on est en train de régler le petit problème. Excellent, merci. C'est le contrôler. Pourquoi ils jouent pas sur Neo Geo? Ah, les micros sont ouverts! Hey! Bon, je vais être bien honnête, je connais pas vraiment Aaron, fait que je risque d'être un pun master qui va faire des mauvais puns. Moi, je vais juste créer des malaises. Juste ton existence crée un malaise. On a encore un peu de cette. C'est moi, j'ai réussi! Avant de pouvoir jouer. Prochaine station, Lucien Lallier. What? Station Honoré Beaugrand, for life. Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Vous avez échappé votre gun. Bon! Tu m'entends? Je dis ça de même, mais c'est leurs vrais accoutrements de tous les jours. Ils vont travailler exactement habillés comme ça. Toi, c'est... Ah, ok, non, c'est cool. Okay. Le gun, c'est pas un vrai, il y a un bout de temps. Là, c'est player. Toi, t'es player 1 en ce moment. Là, en ce moment? Ouais. What the fuck? Tu veux jouer avec ça? Moi, je veux pas jouer avec ça. Tu veux pas jouer? Alright, whatever. Tiens. Okay. Hey, c'est comme dans les années 90 quand tu te battais pour être player 1. C'est qui a la première manette? Ouais, c'est qu'on n'a pas les deux, ni un ni l'autre, la manette avec laquelle on est habitué de jouer. Puis là, le jeu veut pas nous laisser jouer avec notre manette. Fait que c'est pas grave. No worries. Peut-être faire juste un petit test du premier tableau, juste pour être sûr que les boutons sont configurés correctement. Je vais te laisser... Right. Alright, laisse-moi aller. Ouais, vas-y. jump, c'était ça, parfait. Pause, on le veut pas, mais... Je vais le mettre là, mettons. Tout fire off pour moi. Yes, OK, un petit test. Ouais, on partira pas tout de suite le timer, on va juste faire un petit test pour être sûr que les boutons sont corrects. Pas de problème. Anyway, on est en avant, je pense. Ouais. Non. Non? Bon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou dans le chat qui ont déjà essayé un petit peu Metal Slug? Yes, no, toaster. OK, je vais être m'habituer. Tout ça, tu vas être correct? Ouais. Should be good. Excellent. On s'essaye de même, puis advienne que pourra. La rentre, faut que ça soit cet écran-là toute la longue. Yo, on va pas parce qu'il n'y a pas de lighting, mais on a fait un effort pour être beau. Plus un pour l'effort. Thank you. Moins un pour le lightning. Je vais donner ma bouteille, je vais prendre une gorgée avant de commencer. Si, hein, quoi? Tu veux ta bouteille d'eau? Fait que Metal Slug, Easy, Co-op. On a présentement le meilleur temps sur le leaderboard, mais le meilleur temps pour le jeu en Co-op, il a été fait à Medium. En fait, notre temps à nous est autour de 12 minutes 12. Le record, c'est 10:39, je crois. World record or Riot? Yeah, we'll... Il est correct. Il est correct en 4 jours. Yeah. Ouais. Les boys, votre estimate, là, regardez, 54-25 pour un estimate de 15 minutes, pas fier. Ça va pas bien. Ouais, là. On a chié ça, ça va être... Puis vous avez même pas commencé, là. Je sais. Si c'est un card Japon. Alright. C'est correct. On n'aura pas beaucoup de temps de commenter. C'est une run courte, mais vraiment très dense. Il y a beaucoup d'action tout le long. Ceux qui connaissent pas Metal Slug, jouer le jeu casual, c'est vraiment très tough. Speedrunner le jeu en coop. C'est vraiment très cool. C'est un excellent jeu, en fait, pour commencer à speedrunner. Ceux qui ne savent pas trop quoi jouer, le jeu est quand même assez permissif. C'est vraiment sweet.
On peut même se permettre de se suicider assez régulièrement pour s'aider. Vous allez voir un peu comment ça va se passer. Ready, partner? Oui. Dans le fond, le temps va commencer quand un de nos personnages va atterrir au sol après le parachute. Sinon, c'est pas si grave si c'est en avance, mais non. Officiellement, c'est ça. Surtout qu'on y va pour le world record, là, tout le monde. Là. C'est le world record, là, en ce moment. World record! Hype! All right! Hey, prêt? Hey, hey. Juste de même, gros hype, on vient de taper 800 piastres! Oh, yeah! Woo! Yes, sir. Excellent. Ça sera pas long, on va mettre votre estimate, puis on va vous faire signe quand est-ce commencer ça, guys. Bon. Fait qu'on veut essayer de battre 12 minutes 12, dans le fond. 12-21. 10-21, l'objectif. En solo, le record, c'est 9,59 par un Coréen fou. C'est quoi la différence, mettons, au niveau speedrun du solo par rapport au co-op? Qu'est-ce qui fait que c'est plus rapide en solo? Le jeu est vraiment particulier parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le jeu où est-ce que les ennemis, le spawn des ennemis, les attaques des ennemis, puis les ennemis en fait qui vont spawner dépendent de ton positionnement dans l'écran. Okay. En solo, tu peux te placer exactement au bon spot, facile, mais en coop, faut vraiment que tu te synchronises, puis ça va super vite. Des fois, c'est pas évident. Fait que tu peux te ramasser avec une vague d'ennemis si t'es bien placé, tandis que si t'es pas bien placé, tu vas avoir 5-6 vagues d'ennemis, fait que tu perds énormément de temps. C'est un shoot un beat'em up. Là, run and gun. Run and gun. C'est le combat. Right, guys, on est prêts à commencer de notre côté. Vous right. autres, c'est à vous. All right. Okay. Donc, time part quand il atterrit après le parachute. Exact. C'est ça, un des deux personnages. All right, let's go. On tue tout le monde en partant. Excellent, c'est parti! Donc, c'est un jeu de Neo Geo sorti à l'arcade en 1996. Comme vous pouvez voir, les graphiques sont très très beaux, hein, du moins pour l'époque. Ben, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. En fait, un excellent travail. C'est SNK qui a développé. Ça me fait penser à un jeu que je jouais sur Miniclip, genre Alley Attack 3. Excellent. Tu sais, miniclip.com, là. Ça fait longtemps, ça, Colin, ça fait longtemps. Ça existe encore? Ça existe encore, mais boy. Ça va faire 10 ans que j'ai pas été là-dessus. Tu sais, la raison pourquoi j'ai essayé plus dans mes cours, c'est parce que des fois, je joue à miniclip.com dans mes cours. Excellent. Premier tableau terminé. On a essayé de sauver du monde un peu. Fait que oui, développé par SNK, mais en fait, développé par une compagnie qui est appelée Nazca, qui est un ancien team de IREM. Qui ont fait Gunforce, shout-out à Blackcliff, qui a le record à Gunforce au SNES. Puis, ils ont été achetés par SNK après pour continuer la série Metal Slug, entre autres. Donc, une des particularités du jeu, ce que vous allez remarquer, c'est que l'écran ne scrolle pas tout le temps automatiquement. Donc, il y a plusieurs vagues d'ennemis dans certains cas où on n'a pas le choix de tuer tous les ennemis sur l'écran avant de pouvoir bouger vers la gauche, vers la droite. Qu'est-ce que c'est ça, ce spawn-là, man? On n'a jamais eu ça. C'est correct, on est correct, on est correct. Donc, à ces moments-là, des fois, on va se tuer par... et ça va être voulu, simplement parce que lorsqu'on meurt et on revient avec 10 bombes. Et si on est game over puis on revient, on a un machine gun. Et donc, on va utiliser cette stratégie-là à quelques endroits pour nous permettre de refaire le plein là, de munitions. Je dis ça de même, mais on vient d'avoir un « Never Happened Before ». Yep. It truly never happened before. Son Sato a clairement dit ce pattern-là, j'ai jamais vu. Ça never happened before. Whoops. OK. Vas-y, excellent. That's it. Il y a beaucoup d'ennemis qui ont des frames d'invincibilité sans vraiment que tu puisses le savoir, en fait. Il y a même un boss qui a comme 20 secondes d'invincibilité, puis tu sais pas, tu tires dessus, il flash tout, mais il mange aucun dommage. C'est le cas pour le boss qui est ici. Au début, quand il spawn, tu peux tirer dessus, mais ça ne fait rien jusqu'à temps qu'il pète le mur à droite ici. Exact. En ce moment-là, on pourrait le tuer et faire du dommage. Excellent. Sensato, c'est le pro du tank, donc vous ne me verrez pas en tout utiliser le tank aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai les armes qui sont puissantes, je panique. Panique, puis je sens la pression monter. Il aime pas savoir un gros gun dans les mains. Absolument pas. Ça, c'était un des spots où est-ce que si on faisait pas ça comme il faut, on perdait 15 secondes d'être là, mais ça a bien été. Exactement. Parce qu'on a réussi à tuer les ennemis au bon moment, au bon temps. Exact. Tu peux faire ça là, pas de problème. All right. Fait qu'on a
DD Gamings, encore une fois, qui vide son portefeuille en fin de semaine, qui a fait un don de 45$. Puis il dit, let's get to 1K before pitch block. I know we can. Yep. Yes, we can. Yes, we can. Oui, fin de semaine. Puis on a Snipe Flex qui a donné 50$ puis qui dit, let's go les frères Slug. Yeah, what's up, Snipe? Merci, Snipe. Donc, je dis ça de même, là, mais ces magnifiques habits valent quand même quelques dollars. Mais pour vrai, les habits sont sa coche, là. Merci, tout le monde. C'est bien apprécié. On a mis des efforts. T'es loin, t'es loin, t'es loin. Ouais, parfait. Je voulais juste tuer l'ennemi avant. All right. Ici, on va se tuer. Ça va être voulu. Faut être super synchro si on n'est pas en même temps ici. Là, on a vraiment été chicken. Ouais, là, on est pas, là, on va laisser faire. Le fera pas, ouais. Moi, je vais me suicider pareil. Tiens, là, on va spawner ici. Pour, je me suis suicidé pour avoir mes 10 grenades. Ça fait penser beaucoup au tableau dans Contra 1, le Waterfall. Le troisième tableau où il faut monter. C'était-tu un suicide volontaire? Pas celui-là, je pense. Non, ça, c'était une erreur, carrément. Là. J'aurais pu dire oui. Tu sais, au moins avoir de l'air bon un petit peu. Et on veut slicer avec le couteau le plus possible. Si vous demandez qui est qui, faites juste regarder leurs habillements. Ils portent l'habillement du personnage. Exact. Shout out à Schwarzenegger qui fait une apparition surprise dans le jeu. C'est un spot où est-ce que si on tue pas tout le monde. Shout out au Striker qui se monte. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Je pense que c'est. Pas si c'est moi qui est mort. Ok, c'est ça. Totalement logique, avec une coupe de gun, tu peux tuer un tank. Ça, on va perdre du temps, on est mort involontairement, puis on est mal équipé là pour progresser. C'était volontaire ta mort, Sanzato. C'est tout le temps volontaire une mort en marathon. De manipuler le RNG, c'était voulu. Exact. C'est un skip. Bon, il se monte encore des bobettes. Ils ont spawné les deux en bas. Non, mais je trouve ça drôle. Je veux dire, tu perds le gars, il est comme otage, puis la première affaire qu'il trouve à faire, c'est merci, je vous montre mes bobettes. Il tente pas d'avancer, lui. All right. Good. Si je veux être en tank, parce que quand t'es en tank, tu peux spammer les grenades vraiment intensément, sauf que là, j'ai pas de grenades anyway. Exact, parce que quand t'es à pied, tu peux tirer à peu près 4 grenades à la fois, puis en tank, il n'y a pas le délai entre les deux grenades. On a rien, hein, Dave, faut te shooter. Ouais, je vais te shooter. Alright. J'essaie d'expliquer. Et le tank est capable de tirer 10 grenades quand moi je suis capable d'en tirer 4. Fait que c'est beaucoup plus rapide si Sanzato est capable de pogner les bombes avant. Ouais, mais toi, peut-être que tu tires 4 grenades, mais tu sais quoi d'autre qui tire en Simonac? C'est pas. Le Nastaros avec son donation de 75$. Oh! Donation hype! Qui dit: let's go SMD puis Sanzato. WY hype! Merci, merci. Et on n'est pas si bien parti. On est correct, on est correct. Pour battre notre PB, Ce segment-là, alright. Safe time. On a joué ça easy. Là, je me mélange, man. Je sais plus je suis qui. Je suis pas mort. Nice stuff. Vas-y, pogne le tank. Excellent. Ici, on va faire. On fait par exprès pour self-destruct le tank. Pour pouvoir tuer le premier abri. Fais attention ici. Good, parfait. Non, on est quand même pas super équipé, je pense, pour. Excellent. No! Oh! Alright, pas si pire que ça. Ouais, correct. On s'est occupé du de lui à droite pour. Commencer ce boss fight-là. Parce que si on est les deux sur chacun notre tank, c'est beaucoup trop long. On est mieux de se mettre les deux sur un, le tuer, puis après faire le deuxième. Mega Dave, take no prisoner. Ah, j'ai pas été efficace. Non, mais je te comprends. Je veux dire, cette tradition-là de se montrer une bobette quand tu te fais libérer. J'en perds à mon pantalon. J'attends lui. Ouais, safe time, c'est parfait ça, Dave. Et pour des gars qui se sont fait sauver avec des cartes qui ont sauté à cause des balles, moi je les trouve assez casual. Oh, à poil, s'il te plaît.
Pas juste le boxeur. Ah, oh, what? Ça avait l'air d'une vieille... J'adore t'as la madame qui nous suit depuis tantôt. Ouais, c'est ça que je me disais. Ça avait l'air d'une vieille... vieille pas fine pour... Il est encore trop tôt pour que ça soit du PG-13. Si je me tue, j'ai plus de grenade, je me suicide, ça va aller mieux. Ouais, tu pourrais peut-être expliquer aussi ce boss-là, Sensato, tu l'expliques très bien. Mais tantôt, j'ai parlé d'un boss qui avait des iframes comme pendant super longtemps sans qu'on puisse s'en rendre compte. Ben, c'est lui. Fait que dès qu'on pète le canon en dessous, il y a comme 15-20 secondes d'invincibilité, lui. Ouais. Peu importe ce qu'on fait, on y fait pas de dommage. Je tire dessus, flash. Il flash, mais non. Ça a été quand même long avant de découvrir ça. Là, on peut juste niaiser en dessous, puis à un moment donné, quand les 15 secondes vont avoir écoulé, une balle va finir le tank. Comme ça, exactement. J'ai tiré une petite balle de shotgun, puis pouf! Rien de bien sorcier. Je tiens à dire, on l'a pas dit tantôt, mais quand on change de tableau, on récupère pas nos balles et nos bombes. On recommence toujours à 10 bombes, puis avec le fusil de base. Si, ici, il faut être super synchronisé. Si on l'a, on a une vague d'ennemis, sinon on perd 10 secondes. Let's go, on attend que les ennemis tombent. Faut tout que je tue ça, one shot de même, parfait. That's it. On l'a eu, good. Shotgun, please. Yes, shotgun. Shotgun. Attends un peu. Ouais, je suis là. Good. Shotgun, c'est pas mal le meilleur arme du jeu. Il est pas mal OP là, dans celui-là. Là. Pas mal le meilleur shotgun ever. Je sais pas si vous connaissez un autre shotgun qui pète un tank en deux coups. Moi, j'en connais pas. Vous non plus. On dirait plus un lance-flamme. Shit. Oh, t'as pogné le machine gun. Ouais, je sais, au moins t'es mort pis t'as pogné le reste, pareil. Exact, c'est quand même t'es pas si peu que ça. C'est un shotgun mitraillette. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Bon, right. Parfait, on l'a eu, excellent. J'ai shotgun, ça va bien. Ouais, 10-15, c'est pas si bon que ça pour descendre ici, là. Mais... Shotgun le couch. Avec un bon boss fight, on devrait être avoir un pas pire temps. Est-ce que tu voulais une petite donation? Vas-y. Why not? Il y a du monde, il y a du monde ici. C'est un party saucisse. OK, ça c'est un autre spot où est-ce que si on manque un avion, elle nous troll pendant longtemps. Ici aussi, même chose. Faut tout péter ça, sinon on perd du temps solide. Là, on a raté une. Ah ouais, on a raté ça. Excellent. Auto-scroller activated. Ici, ça change rien, peu importe ce qu'on fait, ça continue. Je dis ça de même, mais rip le world record. Ouais, je suis pas certain, moi non plus. L'objectif en vrai, c'était sub 13. Puis ça devrait pas être problématique, par contre. Yep, j'ai réussi ça. Ça, c'est toujours pas pire. Un pauvre petit pit qui est attaché en haut. Voilà. Please don't fall. Oh, oh damn, c'est fait. Oh man. Quand je suis pour sortir. Habituellement, c'est moi qui ai le tank ici. Fait que je me suis mélangé. On s'est mélangé. Ouais, je vais me tuer pour avoir des machine guns. On n'a pas regardé les dauphins aussi. C'est supposé avoir des dauphins dans l'eau. Hein, les dauphins, là, c'est la clé du PB. Quand on check pas les dauphins, il n'y a pas de PB. C'est officiel. Ah man, c'est moi qui ai pris le machine gun, oh, I guess. Ouais. C'est pas bon. J'allais chercher le machine gun en haut. Ça, c'est le dernier stage? Ouais. Ouais, c'est le dernier tableau. On approche de la fin, vraiment, là. On veut à peu près, normalement, avoir une trentaine de grenades chaque rendu là. Ouais, là, on a raté une boîte, là. Ça a pas... Guys, let's go. All right. Moi, j'en ai 20. Mais 22, ça... On va espérer d'avoir un bon RNG ici. Ah, lui, il peut nous troller longtemps. Lui aussi, il a pas mal de high frame sur sa dernière attaque où est-ce qu'il monte en haut puis il largue des bombes en bas. On peut pas faire grand-chose contre ça. Je pense que c'est le dernier boss du jeu. Cette attaque-là, en fait. Pour la time. Ouais. Dès que le boss va tomber par terre, quand il y a une flaque de sang qui revole, dans le fond, c'est time. Ouais, fait que là, il ne troll pas trop. Je vais spawner à gauche. Ah, sorry. Tu
Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. All right, that's it. Et time. 13-21. 13-21. Good job. Même pas super, c'est aussi rapide que notre ancien world record, en fait. Exact. All right, un gros merci, un gros shout-out à Sukimo, qui est le Nord-Coréen, qui nous a beaucoup aidé avec la run pour les petits détails. Shout-out to Sukimo, I don't know if he will be watching us, but thank you very much for all the tips that you gave us. Merci à tous ceux qui ont donné, il y a eu des grosses donations, là, vraiment, puis merci à tout le monde dans la salle. Right. Bien apprécié. Merci à vous pour la run. Ça fait plaisir, man. Merci au couch. Yeah. Yes. Ghostbusters!